Je m'appelle Tatiana et le moment est venu de répondre aux grandes questions que vos amis se posent, car bien entendu, ils ont besoin de bons conseils. Bonjour. Mon ami et moi, on entend souvent parler d'intérêts composés. J'avoue que ça se dit bien et que ça a l'air génial, mais mon ami aurait besoin de votre aide pour comprendre pourquoi c'est tellement génial. Et c'est signé Zoé Composé. Bien dit, Zoé. Les intérêts composés, c'est un outil puissant et en effet, c'est vraiment génial. Allons-y d'abord avec une définition. Les intérêts composés, ce sont des intérêts qui sont calculés à la fois sur le montant du capital, comme un prêt ou un dépôt, et sur les intérêts payables ou accumulés sur ce même capital. Donc, en termes simples, les intérêts composés, ce sont des intérêts calculés sur le capital et ses intérêts. De plus, la fréquence du calcul des intérêts composés, par exemple à chaque mois, à chaque 6 mois ou à chaque année, de même que le terme du prêt ou du dépôt, peuvent également influer sur le montant total d'intérêts payables ou accumulés. Quand on y pense, c'est un peu comme un effet boule de neige. Plus la boule roule dans la neige, plus elle grossit. Pour vous faire une idée sur la façon dont les intérêts composés fonctionnent, essayez le calculateur d'intérêts composés sur le site web de l'ATD. Vous verrez à quel point un petit montant d'argent peut grossir. Grosso modo, si vous décidez d'acheter un placement avec intérêts composés au fil du temps, plus le terme de votre placement sera long et plus le calcul des intérêts composés sera fréquent, plus le gain pourrait être élevé. Si vous et votre ami êtes intéressés par les placements et les intérêts composés, vous devriez peut-être prendre rendez-vous avec un conseiller de l'ATD. C'est un bon moyen d'obtenir des conseils et de déterminer quel type de placement pourrait vous convenir. Je vous remercie de votre intérêt pour les intérêts composés et je vous souhaite à vous et votre ami un beau parcours financier. N'oubliez pas d'aller voir le calculateur d'intérêts composés TD en ligne.